Peut-être moi après, hein, mais non, oui. On est d'accord, il est surélevé le coffre. Il est surélevé, hein. Bref. Retour ici et je vais en reclaquer un maintenant parce que ça évite des allers-retours en vrai. Encore que, est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je sais pas. Ouais, non, si, remarque. Si, si. Eh bien, c'est les porteurs là où il est. De toute façon, la magie, je vais pouvoir en restaurer plus tard. C'est là? C'est là! Alors... Voilà, maintenant, je vais pouvoir utiliser ceci. Je vais pouvoir tirer les flèches dans les nonneuils. Vous avez fait plusieurs flèches, ok. Allez hop. Alors, je reviens ici et cette fois pareil là. Petite flèche là où il faut. Et du coup, ça permet, on va dire, de détordre le... Est-ce que ça se dit en vrai, détordre le truc? Enfin bref. Vous obtenez la clé d'or. Vous pouvez accéder... Putain, c'est la gold key chez nous. Vous pouvez accéder au repère du maître des lieux. Bon, attends, je m'en revanche là contre lui. Et il donne des rubis. Ok. Voilà. Alors ici, il y a de quoi se soigner. Mais surtout la quatrième Sculptula. Voilà. Attends, par contre, toi, tu vas me gêner. Là, il n'y a rien. Une grosse baffe lorsqu'elle se divise vient à bout de toutes ses mains avant qu'elle fusionne. Alors là, bon par contre, non, non, je... ouais, c'est pas grave. En même Astrad, c'est ça. Et ensuite, je refais ça. Et voilà. Et chaque petite main drop de la magie, ce qui est cool. Ok. Voilà. Allez, une autre petite clé. Et je vais pouvoir retourner là où j'étais. Alors, attends, wait, avant que je reprenne. Si on prend cette porte-là, ça permet de revenir au... à la zone des blocs, justement.
Donc voilà, allez, on se casse. Ok. Hein? What? Pardon? J'ai raté un truc là. Attends, what? Bon, ma foi, hein. Et là, normalement, on voit qu'il est ouvert. Yes, on voit qu'il est ouvert. Bon, allez, la suite, là, vraiment. Ah là là, les fantômes, là. Bon, là, c'est simple, là. Faut juste balancer des coups de flèche sur les fantômes. J'ai besoin de ça. Alors c'est Joël de la confrérie des esprits. Putain. Voilà. Voilà. Bon, j'ai un peu fait de la merde, mais au moins ça me donne des flèches. C'est cool. Vous obtenez une petite clé. Cette clé permet d'ouvrir une des portes verrouillées de ce donjon. Si cette torche est allumée, cela veut dire que... Que quoi? Qu'elle est allumée. Voilà, c'est tout. Bon, évidemment, on se dire autre chose, mais voilà. Cette torche est identique à celle de l'entrée du temple. Allez! Allez, on a affronté Joël. Maintenant, qui est-ce qu'on va affronter? Putain! Voilà. Merde, j'ai pas eu son nom. Bon bah tant pis. On ne saura pas qui c'est. C'est personne, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai toutes les clés maintenant. Ouais, j'ai toutes les clés en fait. Allez, une d'utiliser. Oh, mais c'est bon là! Je fais de la merde en plus là. Vous êtes qui vous? Tête d'os verte.
Ah, cette salle. Alors, la logique voudrait qu'on claque une flèche ici. Sinon, il y a encore plus simple en vrai. C'est prendre le feu de Dean. Voilà. Par contre, faut pas se louper parce qu'il n'y a pas d'escalier pour revenir ici. Il y a juste ce passage. Mais bon, ça va. Wow! Link, attention, le plafond nous tombe dessus! Bah merde alors. Attends, il y a déjà une porte ici. Et c'est rien. Voilà, c'est tout. Ah, attends. Je crois qu'il y a un truc ici, mais... Alors... Allez, par ici. Bon, je connais les trucs. Faut faire gaffe aux sculptures là, mais sinon ça va. Et des flèches. Ah! Oh putain. Ouah, il y a des trucs là. Ça fait quoi si je me mets sous une ombre là? Oh, les fantômes ils sont gentils quand même. Ah. D'accord. Bon, j'ai une minute pour refaire le tableau. Bon, c'est simple en vrai, hein, voilà. Ça, ce truc, il sert à rien. Voilà. Bon, c'est simple en vrai, hein. Et puis voilà! Amy! Ah bah elle a bien changé, Amy. Allez, Amy! Allez, c'est la fin là. Fous-moi le camp, s'il te plaît. Eh ben, je reviens. Je reviens ici. Meg de la confrérie des esprits. Ne te laisse pas avoir par ces répliques illusoires. Cherche la bonne et trouve la bien. Alors ouais, faut juste trouver la bonne et c'est tout. Et la bonne, c'est celle qui fait un petit tourbillon sur elle-même là. Voilà, regarde. Hop. Et ensuite, il y a juste à spammer tout doucement.
Voilà. Encore. Ah voilà, ça va vite. Ceci est une bonne caméra, bien évidemment. Bon, bref, c'est la dernière salle. Alors bon, je vais pas... Le mieux, c'est de pousser toujours à droite. Ludiquement, hein, j'entends. Hein. Alors... ouais. Donc là, il y a un premier interrupteur. Je crois pas qu'on les voit, non. En fait, faut vu qu'on change à chaque fois le truc de la salle, donc... Ok. Ensuite, une petite troisième. Une petite flèche. Et la cinquième sculptula. Et normalement, on est bon sur les sculptulas. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir le donjon. Allez. Oh oh. Ah bah le maître les lieux n'a pas l'air d'être là, mais il a de superbes tableaux, hein, n'est-ce pas? Et une triforce, évidemment. Bon, allez. Eh ben non. Salut chat, t'arrives à la fin du stream malheureusement, quasiment. Esprit maléfique de l'au-delà, Ganon spectral. Donc, Ganon spectral. Déjà, faut savoir où il se trouve. Et autant au début, ça va, c'est pas trop dur. J'ai failli me faire avoir. Attends, mais y a pas un truc pour les différencier en vrai? Si, voilà, c'est celui qui est clair. Celui-là il est sombre, celui-là il est clair. Donc c'est forcément celui-là. Voilà, bon, j'étais un peu en retard, mais c'est pas grave. Allez, c'est bon, ça arrivera plus. Et le troisième coup. Ganon spectral, c'est un esprit maléfique du temple de la forêt. Il surgit de la des sablots. Répond à son attaque magique par une des tiennes.
Ouais. Alors c'est du ping-pong tout simplement. Voilà. Je me suis loupé. Oh putain. Mais pardon. Voilà. Alors, Moucheron, tu as appris à combattre. Tu revendiques le sang des guerriers. Tu n'as vaincu que mon faible spectre. Quand l'heure de l'affrontement sonnera, l'ombre du trépas sera sur toi. Ce fantôme était une création pitoyable. Je vais le bannir par-delà les seuils dimensionnels. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Ganondorf, il maîtrise les dimensions, carrément. Et le cœur d'énergie, let's go! Et je vais pouvoir en finir. Mais il reste d'abord encore quelque chose, au pire. Merci, merci beaucoup. Grâce à toi, je m'éveille à la conscience de sage. Je suis Saria, sage du temple de la forêt. J'ai toujours su que tu reviendrais. Je le savais, je te connais bien. Même si bon, t'as viré mon ocarina quand même. Non, tu n'as pas besoin de te justifier devant moi. Le destin n'a pas voulu que nous vivions dans le même monde. Oh putain. En vrai, hein. En tant que sage de la forêt, ma place est ici. Tiens, prends ce médaillon. Tu vas contrôler tout l'univers et tous les seuils dimensionnels aussi. Vous recevez le médaillon de la forêt. Saria se révèle être l'une des sages et vous confie son pouvoir. Saria sera toujours ton amie. Que c'est beau. Bonjour tout le monde, je suis le bourson de l'arbre mozo. Comme tu as brisé la malédiction du temple de la forêt, je peux croître et fleurir. Merci beaucoup. Tu as vu tes anciens amis? Je ne pense pas qu'ils te reconnaissent avec ta grande taille. C'est parce que les Kokiri ne grandissent jamais. Même après 7 ans, ils restent des enfants. Tu dois te demander alors pourquoi tu as grandi. Bon, comme tu as déjà dû le deviner, tu n'es pas vraiment un Kokiri, tu es en fait un Ilien. Je suis si content de te révéler ce secret.
Il y a très longtemps, il y eut une guerre terrible avant même que le roi d'Hyrule n'unifie ce pays. Un jour, pour échapper à ce conflit, une maman hyène et son petit bébé entrèrent dans cette forêt interdite. Cette pauvre maman était gravement blessée. Son seul espoir était de confier son bébé à l'arbre Mozo, l'esprit gardien de la forêt. L'arbre Mozo pouvait déjà sentir le pouvoir de cet enfant dont la destinée allait affecter le monde entier. Ainsi fut-il adopté. Après la mort de sa pauvre maman, il fut élevé comme un kokiri. Et désormais, sa destinée doit s'accomplir. Tu es un Illien depuis toujours. Je savais que tu devrais quitter la forêt. Tu connais ta propre destinée. Tu sais ce qui te reste à faire. Tu dois sauver Hyrule. Va à Link, dissipe la malédiction jetée sur les temples et rétablis paix et amour sur Hyrule. Bon, hein, voilà, hein. Bonjour tout le monde, je suis le bourgeon de l'arbre Mozo. Comme tu as brisé la malédiction, tu vas vraiment tout me répéter? Non, c'est bon. Bon, allez, je vais bientôt stop là dans quelques minutes. Putain, en plus, il a même son rayon de soleil pour lui là. Incroyable bourgeon. Hein. Ben voilà, tout le monde est sorti là. Je me demande si Saria va revenir. Bah non. Saria s'est réincarnée en sage. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps, monsieur. Ok. Oh là, les gens, ils sont contents! Les flèches ne sont que pour les archers. Vous avez un arc, vous? Oui, non, tu l'as déjà dit. Non, je m'en fous de toi. Link reviendra un jour, c'est certain. Bah ouais, je suis revenu là, tu vois pas? Vous ressemblez à quelqu'un que je connais, monsieur. Bah ouais. Oh. Apprends-moi à me battre comme toi. Tout ce que je sais faire, c'est appuyer sur B. Ah, si j'avais lu les pancartes. B. Allez. Ok, personne chez Mido. Le bourgeon de l'arbre Mojo grandit paisiblement et la forêt est de nouveau joyeuse. Ah ben c'est bon, ils savent aussi qu'il y a un bourgeon. Vous êtes tellement fort, un jour je serai comme vous, même si je reste un abo toute ma vie. Oh là là, pas dire ça enfin. Un vent paisible commence à souffler sur la forêt. Link reviendra un jour, c'est certain. Ce vent paisible fera sûrement revenir à Link. Bah ouais, peut-être. Oui, non, toi, je t'ai déjà parlé. Et il reste plus que toi. What? Link, je me demande s'il reviendra un jour. Qu'est-ce que tu fous? Je crois qu'il est fatigué. Bref, bon, je vais m'arrêter là, je pense. On aura fait une bonne petite aventure. Et puis je verrai quand je continuerai. De toute façon, en ce moment, je donne pas de date. Hein. C'est vraiment à mon bon vouloir de si j'ai envie de stream ou pas. Donc voilà.
Vous serez tenu au courant en temps voulu. Merci les gens d'être passés. Comme d'hab, c'était cool. Portez-vous bien. Passez une bonne journée. Et puis, voilà. Simplement. Allez, salut les gens. Merci.